ça nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo avec ma nouvelle caméra. Donc, c'est une vidéo test de personnalité, les gars. C'est sur mon GSM. Je vous montre ça tout de suite. Donc, voilà, là, vous le voyez. Donc, moi, je vais lire et vous. Et donc, on doit répondre avec honnêteté. Vous pouvez aussi le faire. J'ai juste tapé sur Google test de personnalité. On va le trouver. C'est un test de personnalité gratuit. Il dure moins de 12 minutes et il faut répondre aux questions avec honnêteté. Même si vous n'aimez pas la réponse. Donc je vais vous faire un truc, on a le droit à un joker, les gars. Un joker. Essayez de ne pas laisser de réponse neutre. Donc on laisse pas de réponse neutre. Donc let's go, ça commence. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Ouais, quand même, quand même. Moi je vais mettre, ouais. En vrai, oui. Je suis d'accord, les gars. Donc voilà, les gars, là, je suis d'accord, vous voyez bien. Let's go. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Non, pas d'accord. Là, vraiment, je suis pas d'accord. Là, non. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Oh, ça, je m'en fous totalement. Je suis pas d'accord. Vous avez des difficultés à rester serein et concentré même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Vous avez des facilités. Oh oui, quand même. Je vais mettre les deux, les gars. Les deux. Ça, oui, pas d'accord. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Alors là, je suis d'accord. Je suis un petit peu d'accord. Parce que ça arrive pas souvent, mais je suis quand même un petit peu d'accord. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Là, je suis d'accord. Je suis quand même bien d'accord. Alors, suivant, on a 10% du test. Vous vous sentez supérieur aux autres. Alors là, non, pas d'accord. Vraiment pas d'accord. Là, ça dépend avec qui je suis. Si je suis avec un con comme Dance Baptiste qui est dans ma chaîne YouTube, si tu passes sur ça, voilà. Je me sens pas supérieur. Je me dis juste, ah ben il est con. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et alors, pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Les deux. Moi, je mets les deux, les gars. Parce que je suis déjà flexible. Non, d'accord, j'arrête la blague. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Oh, je suis motivé pour tourner cette vidéo, mais je suis pas plein d'énergie. Donc, ouais, je vais mettre quand même un, tu vois. C'est tellement bien. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Donc, gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude qu'une personne est contrariée. Franchement, là, je suis pas d'accord. Je suis d'accord. Excusez-moi. Je suis d'accord. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pères. Oh oui, là, je suis d'accord, mais... Ouh là là. Au niveau supérieur, plus que ce qu'ils disent. Hein. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Bah là, il y a mes jeux qui sont n'importe comment. Bah, mon micro, ma manette, n'importe comment. J'ai organisé ça, j'ai penché un micro sous ma caméra. J'ai mis mon verre, donc ouais. Non, alors là, pas d'accord. Désolée, pardon. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention? Non, là, je suis pas d'accord parce que j'aime pas être le centre de l'attention. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif? Non, je suis pas d'accord, je suis très créatif, les gars. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Non, pas d'accord à 100%. Moi, tu me dis un truc comme... pourquoi tu as fait ça? Moi, je pars en boudant, mais un an, tu me revois pas, hein. Moi, je vais en Espagne, je m'isole. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Bah oui, là, d'accord, à 100%. Alors, vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Oh, alors là, pas d'accord du tout. Votre humeur peut changer très rapidement. Non, pas d'accord, mais pas tout à fait, mais non, pas d'accord. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la succibilité de chacun. Bah là, d'accord à 80%.
Vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pères. Oh, pas d'accord. Alors là, 100% pas d'accord, les gars. Je suis désolée. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoire que d'une approche méthodique et organisée. Ouais, d'accord. Je suis pas méthodique ni rien, donc vraiment d'accord. Vous êtes souvent envieux des autres. Je vais voir au dictionnaire ce que ça veut dire. Non, je rigole. Les deux. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. C'est quoi une soirée mondaine? Bah non, pas d'accord. Je préfère une soirée que jouer à des jeux vidéo. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est de la partie la plus importante de chaque projet. Bah d'accord à 80%. Même si parfois je le fais pas, mais bon, d'accord quand même. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. Distraire que rarement par vos rêves et pensées. Ben là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de notre nouveau lieu de travail. Le 2. Je suis jamais dans un lieu de travail, donc je peux pas. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Ah oui, là oui, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord parce que ça, oui. Vraiment, oui. Alors, vous vous sentez rarement inquiet. Oh non, là, pas d'accord. Pour ça, je me sens souvent inquiet. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Ah, pas d'accord. Et en travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Là, pas d'accord du tout non plus. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées, indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits. Ben là, d'accord, tout le monde doit se respecter. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Là, je suis d'accord à 100% les gars, parce que là, vraiment, il faut être en travail d'équipe, les gars. Ah, c'est les dernières, les gars. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. En vrai, pas d'accord, mais pas à 100%, tu vois. 10%, truc comme ça. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Bon, ça va, Dijon. D'accord. Ah non, pas d'accord, mince. Voilà. Vous vous sentez très anxieux dans les situations stressantes. Alors là, d'accord à 80%. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant? Non, d'être... Bah oui, vraiment, oui, là, d'accord à 100%. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques, par exemple, livres, arts, films, indépendants. Vrai. La dernière question, les gars, la dernière. Alors... Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. D'accord, à 20%. Résultat, recherche. Votre type de personnalité est amuseur, les gars. ESFPYT. Non, ça c'est YouTube, IRTB, mais bon, c'est pas grave. Esprit, alors, 57%. Énergie, 58%. Observateur. Donc l'esprit. 57% extraverti, énergie, 58% observateur, nature, 71% sentiment, tactique, 57% prospection et identité, 63% prudent, les gars. Let's go, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Sopental, allez, ciao. Ciao, les petits potes, code créateur à la dessous, abonnez-vous, likez.